Eleonora Fagan est née à Philadelphie le 7 avril 1915. Elle est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz et de blues. Sa vie sera parsemée d'embûches. Elle a de graves problèmes de consommation durant toute sa vie. Les politiciens l'espionneront et lui feront la vie dure. Strange Fruit, All of Me ou Don't Explain sont parmi les centaines de chansons qu'elle nous a laissées en héritage. Voici l'histoire de Billie Holiday. Sa mère s'appelait Sadie Harris et son père Clarence Holiday. Elle a vécu dans une grande pauvreté dans la ville de Baltimore. Elle abandonna l'école dès sa cinquième année. Il fallait qu'elle travaille, alors qu'elle n'était même pas encore une adolescente. Elle trouva des emplois comme faire des ménages ou elle récurait des planchers. La veille de Noël en 1926, alors qu'elle n'est âgée que de 11 ans, elle est violée par un voisin, Wilbur Rich, qui sera arrêté. Billie sera placée à la maison du bon pasteur jusqu'à ses 12 ans. Elle revient avec sa mère qui travaille dans un bordel. Elle amène sa jeune fille à cet endroit où elle fera la messagère. C'est dans ce monde sordide que Billie entendra les grands de la musique comme Louis Armstrong ou Bessie Smith. Pendant toutes ces années, Billie passe plus de temps avec Martha Miller qu'avec sa propre mère. Martha Miller était la belle-mère de la demi-sœur de Billie. Elle était donc très présente à cette époque. En 1928, sa mère l'amène à Harlem et laisse la petite sous la surveillance de Martha Miller, encore une fois. Billie n'a que 13 ans. Et elle travaille dur. Elle fait des ménages et finit par se prostituer, comme sa mère. Elle finira par se faire arrêter et sera détenue quelques mois à Welfare Island. Par la suite, sa mère ouvre un petit restaurant. Billie va venir la rejoindre pour y travailler. Elle chante à l'occasion dans les clubs qui sont très nombreux dans Harlem. Lentement, mais sûrement, elle commence à se faire un nom. Son premier contrat sera au Log Cabin de Harlem, alors qu'elle sera rémunérée. Elle s'appelle maintenant Billie Holiday. Elle chante toutes les semaines. Bien qu'elle n'a jamais été formée, Billie a une voix bien à elle. Elle a un style et une sensibilité que l'on ressent quand on l'entend. En 1933, Billie Holiday n'a que 18 ans. Elle est jeune, mais déjà, elle a connu une vie difficile. Un séjour en maison de redressement, une détention en prison, un viol, la ségrégation la frappe de plein fouet. La vie dans les clubs lui offre la possibilité de chanter et d'oublier toute la dureté de sa vie. Mais les clubs lui ouvrent aussi le monde de la drogue, de l'alcool et des calmants. Dès son jeune âge, la jeune fille est déjà dépendante. Elle consomme et ne pourra jamais vaincre ses démons. John Hammond, producteur pour la grande maison de disques Columbia, prospecte dans les clubs de Harlem. Il est toujours à la recherche de talent. Un soir, il découvre Billie Holiday. Hammond est immédiatement sous le charme de Billie. Il l'emmène les jours suivants en studio. Elle enregistrera ses deux premières chansons.
Your Mother's Son-in-Law et Riffin the Scotch. Elle gagnera 35 $, ce qui représentait une forte somme pour elle à l'époque. Sa carrière est immédiatement lancée. Elle commence à côtoyer de grands noms. Elle chantera en 1934 au fameux Apollo Theater avec Bobby Anderson, avec qui elle aura une courte relation. Elle rencontre le saxophoniste Lester Young. C'est lui qui la surnommera Lady Day, un surnom qui lui collera à la peau toute sa vie durant. Billy et Lester auront une solide amitié. Billy est de plus en plus connue. Elle enregistre pour la maison Columbia. Elle a des engagements à volonté. Mais à mesure que sa renommée et sa réputation montent vers les sommets, sa consommation, elle, augmente. Bientôt, Billie Holiday sera une junkie, complètement dépendante aux drogues dures. La ségrégation raciale ne l'épargne pas. Quand elle chantait avec des chefs d'orchestre blancs dans des clubs chics avec une clientèle blanche, elle devait emprunter les portes de service pour pénétrer à l'intérieur des clubs. Elle devait souvent s'isoler dans une petite pièce jusqu'au moment où elle entrait en scène pour divertir des gens qui, dans la vie de tous les jours, ne supportait même pas qu'elle prenne le même ascenseur qu'eux. Les années 30 défilent à un rythme infernal pour Billy. Sous la supervision de John Hammond, elle continue à enregistrer quantité de chansons pour la Columbia. Elle chante continuellement dans les clubs. Tout le monde veut entendre Lady Day. Elle chante avec les plus grands comme Duke Ellington. En 1935, elle enregistre What a Little Moonlight et Miss Brown to You, qui seront dans les grands succès de l'année. Billy fait assez d'argent pour installer sa mère à la tête d'un petit restaurant. Après toutes ces nuits, Billy aime bien se retrouver dans ce resto le matin. Elle accumule les succès. Elle chante dans les clubs, surtout le Café Société. Elle a des engagements avec les plus grands et elle collectionne les aventures autant avec les hommes que les femmes. Dans le milieu, on lui donne même le surnom de Mr. Holiday. En 1939, sa carrière passera à un autre niveau. Elle chantera une chanson qui passera à la légende. Billie Holiday chante Strange Fruit, une chanson au texte fort qui décrit les inégalités raciales au pays. Billie n'a pas oublié que son père est décédé d'une pneumonie après que plusieurs hôpitaux dans le sud ont refusé de le soigner. Même si elle hésite, elle sent qu'elle a une dette envers lui. Elle doit faire sa part dans ce monde d'injustice. Évidemment que la chanson est controversée, mais Billy continue à la chanter au Café Société. La maison Columbia refuse net de l'enregistrer. Billy Holiday n'a pas dit son dernier mot. Elle contacte une petite maison de disques, Commodore Records, qui accepte un cadeau tombé du ciel. Elle enregistre Strange Fruit le 20 avril 1939. Même si les radios ont boycotté la chanson, elle connut un grand succès. Aujourd'hui, elle fait partie des 4 ou 5 grands titres de Billie Holiday. Billie a contourné la Columbia. Elle a enregistré une chanson qui a ébranlé les colonnes du temple, mais elle va en payer le prix. Désormais, elle sera sous la surveillance du gouvernement. En effet,
On a appris sa consommation de drogue. Le Bureau fédéral des stupéfiants vient d'être créé. Billie Holiday aura toute son attention. Son premier mari, Jimmy Monroe, un tromboniste, va l'initier à l'opium en 1941. La chute de Billie Holiday se continue. En 1943, c'est maintenant l'héroïne qui domine Billie, qui n'a que 26 ans. Loin de s'améliorer, sa dépendance augmente et par conséquent, sa santé va décliner lentement, mais sûrement. Même si Billie fait beaucoup d'argent, tout passe dans sa consommation et celle de son mari. Elle va divorcer de Monroe, un escroc. Monroe, loin de l'aider, n'aura fait qu'enfoncer encore plus Billie. Joanne Harry, qui a écrit un livre sur Billie, intitulé « Chasing the Scream », écrira le passage suivant. Elle avait une dépendance à l'héroïne parce qu'elle avait été violée de façon chronique dans son enfance et qu'elle essayait de faire face au chagrin et à la douleur que cela entraînait. Et aussi, elle résistait à la suprématie blanche. En 1945, Billie, sous l'influence des drogues, commence à être moins disciplinée. Elle est souvent en retard et rate carrément certains engagements. Elle est par moments confuse sur la scène, oubliant parfois les paroles de chansons qu'elle chante depuis des années. Le décès de sa mère va la plonger dans une forte dépression. Évidemment qu'elle va consommer encore plus d'alcool et de drogue. Elle devient agressive avec les gens et est souvent très irritable. Elle a signé l'année précédente un gros contrat avec la firme Decca. Billie Holiday, malgré ses écarts, est une grosse vendeuse de disques. Elle enregistre de grands titres à cette époque, comme Loverman, et surtout ses propres compositions, comme Fine and Mellow, God Bless the Child, et surtout la magnifique Don't Explain, où on ressent dans sa voix toute la douleur d'une vie malheureuse. En 1947, Harry Henslinger, le chef du Bureau fédéral des stupéfiants des États-Unis, n'a pas oublié Billie Holiday. Elle est arrêtée pour trafic de drogue et va passer 10 mois en prison. Haslinger était un raciste et depuis la chanson Strange Fruit, il considérait Billie Holiday comme une menace pour la bonne société. Il n'allait pas manquer l'occasion qui se présentait devant lui. Haslinger poussera sa cruauté encore plus loin. Alors que Billie demande d'être incarcérée à l'hôpital pour se faire soigner, on ignorera sa demande. Elle sera incarcérée en prison, laissée à elle-même. À sa sortie de prison, Billie Holiday a de gros problèmes. La drogue et tous les hommes qui l'ont fréquentée l'ont complètement ruinée. 27 mars 1948, elle remonte sur scène au célèbre Carnegie Hall. Elle est encore en possession de tous ses moyens et offre une performance triomphale. Billie Holiday est de retour, mais pour combien de temps? Les problèmes de Billie sont par contre très présents. Suite à son arrestation, elle n'a plus de carte de travail. Elle ne peut plus chanter dans les clubs de New York. Le gouvernement veut la détruire et ne recule devant rien. Seules les grandes salles, beaucoup moins accessibles, peuvent lui permettre de chanter. Elle parvient à garder la tête hors de l'eau en travaillant à la radio avec Lionel Hampton
ou encore avec Count Basie. Ne pouvant plus chanter à New York, elle doit travailler à l'extérieur avec des cachets très inférieurs. Elle a le malheur d'avoir une relation avec John Levy, un gangster qui la bat et la dépouille de son argent. La justice est toujours à ses trousses. On l'arrête à San Francisco, toujours pour possession de drogue. L'actrice Tallulah Bankhead fait jouer ses relations jusqu'à Edgar G. Hoover, qui permet l'acquittement de Billy. John Levy continue à la battre. Elle finit par le quitter. Mais une fois de plus, Billy est complètement ruiné. La firme Decca, qui lui avait fait signer un gros contrat en 1944, décide de ne pas la renouveler en 1950. Billy arrive en retard pour les sessions. Sa diction devient problématique. Tous les excès ont fini par abîmer sa voix. Billy n'est plus l'ombre que d'elle-même. Pourtant, elle n'a que 35 ans. En 1951, elle renoue avec Louis McKay, qu'elle avait connu 20 ans auparavant. McKay est stable dans la vie. Il a maintenant une famille et n'a nul besoin de Billy dans la vie. Néanmoins, il n'a pas oublié la jeune fille de 16 ans dont il s'était amouraché. McKay sera très bon pour elle. Il l'aidera à se relancer. Billy aura une chance en or. Maintenant installée en Californie, elle rencontre Norman Granz, le propriétaire de la firme Verve. Granz accepte de signer Billy qui va pouvoir à nouveau enregistrer dans de bonnes conditions, entouré de musiciens professionnels. Vocalement, Billy n'est plus l'ombre que d'elle-même, mais sa sensibilité et son charisme lorsqu'elle chante n'ont pas disparu. De grands disques seront gravés durant la décennie. Billie Holiday Sings sera le premier album à paraître en mars 1952 et sera un grand succès avec des titres comme Blue Moon ou encore These Foolish Things. La session a eu lieu à Los Angeles avec Norman Granz à la production. Deux ans plus tard, en 1954, c'est une tournée en Europe que Billy effectue. La Suède, la Belgique, l'Allemagne et la France, entre autres, accueillent avec ferveur ses concerts, qui se terminent avec un franc succès en Angleterre. Ce sera l'une de ses meilleures périodes depuis longtemps. Elle continue ses spectacles sur la côte ouest. Les enregistrements avec Verve et Granz se poursuivent. Malgré une renaissance et des tournées pleines de succès, Billy est toujours aux prises avec ses démons. Elle est plus dépendante que jamais. Sa voix de mauvais jour. Parfois, elle est incapable de chanter. La chute a commencé depuis quelques années et se poursuit inexorablement. En août 1955, elle enregistre un nouvel album pour Verve, Music for Torching, un disque aujourd'hui considéré comme un autre chef-d'œuvre. Des chansons comme Fine Romance ou Gone with the Wind la confirment toujours comme une grande chanteuse, malgré ses problèmes vocaux. Billie Holiday n'a pas qu'une voix, c'est une personnalité que l'on sent quand elle chante. Personne d'autre ne peut se comparer à elle dans ce registre. En 1956, Billy raconte sa vie au journaliste William Dufty. Une autobiographie intitulée « Lady Sings the Blues ». Son récit est troublant. Billy raconte les malheurs qui ont ponctué sa vie. Par contre, ce qu'elle raconte est parfois discutable,
car on se rend compte que certains passages sont plus ou moins véridiques. Mais peu importe, ce livre reflète parfaitement l'état d'esprit d'une femme alors âgée de 41 ans et qui est déjà au crépuscule de sa vie. La même année, elle est arrêtée en compagnie de Louis Mackay. Elle devra subir un autre procès. Sa santé devient de plus en plus préoccupante. Billy cache du mieux qu'elle peut les piqûres qui recouvrent ses bras. Elle est amaigrie. Elle se marie avec Mackay par pure stratégie, pour ne pas avoir à témoigner l'un contre l'autre. Après le procès, Mackay la laissera seule face à son sort. Un autre homme qui aura profité de son argent pour l'abandonner par la suite. Les conséquences du procès sont mineures. Billy écope d'une mise à l'épreuve de 12 mois. Elle évite ainsi l'incarcération. La première fois depuis des années, elle enregistre un album avec de nouvelles chansons à son répertoire. L'album Lady in Satin paraît en février 1958. Un album avec Ray Ellis qui lui écrira des arrangements merveilleux. Billie Holiday n'a jamais été si bien entourée. Ce disque demeure aujourd'hui encore une légende. À l'écoute, on ressent toute l'usure de la chanteuse. Mais encore une fois, elle réussit un tour de magie en réussissant à nous émouvoir. Billie Holiday continue de tourner, mais elle n'est plus en mesure de performer. Une nouvelle tournée européenne se déroulera avec grand peine. En Italie, elle est tuée et ne termine même pas un spectacle. À l'Olympia de Paris, ce n'est guère mieux. Billie termine avec difficulté son tour de chant. Cette tournée est un échec. Son passage au Mars Club sera vu par les personnalités de l'époque, comme Serge Gainsbourg ou Juliette Gréco. On aime Billie, on l'applaudit, on est prêt à tout accepter d'elle. Les gens réalisent qu'ils ont une légende vivante devant eux. Mais Billie n'a que faire de cette sympathie. Son état d'esprit est tout autre. Françoise Sagan témoignera de la tristesse d'apercevoir Holiday dans cet état. Elle avait énormément maigri, ne regardait même pas le public. Chaque prestation de Billie Holiday à cette époque risquait d'être la dernière. En mars 1959, elle enregistre son ultime album, intitulé Last Recording. Une fois de plus, Ray Ellis est à ses côtés, comme arrangeur et producteur. Ellis ne désirait pas vraiment renouveler l'expérience, car il était difficile d'enregistrer avec Billie. Ses nombreuses hésitations, sa fragilité et sa voix défaillante rendaient le projet difficilement réalisable. Mais Ellis acceptera tout de même de faire une session où 12 chansons seront mises en boîte. Le résultat sera moins convaincant que l'album précédent, Lady in Satin. Mais l'album garde son importance en tant que dernier témoignage d'une grande artiste. Ellis avouera plus tard qu'il aimait ses enregistrements. L'émotion de Billie dans les chansons balayait le reste. Peu importe les réticences des critiques, ce disque demeure de bonne facture. Billie Holiday est malade. Elle a une cirrhose du foie. Elle est amaigrie et très chancelante. Mais elle continue ses excès. Elle n'attend plus rien de la vie. Elle continue à se produire sur la côte Est. Elle chante le 25 mai 1959 à New York au Phoenix Theater. Tout le monde la regarde avec frayeur. Ils ont peine à la reconnaître, tant elle a changé. Le 30 mai, suite à une chute, elle est hospitalisée au Metropolitan Hospital de Harlem.
Les médecins la soignent du mieux qu'ils peuvent. En plus de sa cirrhose, Billy souffre d'insuffisance rénale. Elle se remet quelque peu, mais son état est très préoccupant. Même sur son lit de mort, le Bureau fédéral des stupéfiants continue à s'acharner sur elle. Elle déclare avoir trouvé de l'héroïne dans sa chambre. Elle est officiellement en état d'arrestation. Un garde sera posté à l'extérieur de sa chambre. On enlève toutes les fleurs et les lettres qui sont auprès d'elle. Jusqu'au dernier moment, on veut humilier Billie Holiday. Le 10 juillet, l'état de Billie s'aggrave de façon irrémédiable. Elle reçoit les derniers sacrements le 15 juillet et nous quitte le 17 juillet 1959, à l'âge de seulement 44 ans. 3000 personnes vont assister à ses funérailles le 21 juillet. À son décès, Billie Holiday était complètement ruinée. Au cours de sa vie, elle avait accumulé une fortune qu'elle a dilapidée dans la drogue. Tous les hommes qui l'ont côtoyée sentimentalement ont abusé d'elle en profitant de son argent. 6 mois après sa mort, les revenus sur les droits d'auteur de ses chansons s'élevaient déjà à 100 000 $, ce qui laisse penser qu'au cours de sa carrière, Billie Holiday a eu des revenus faramineux. Billie Holiday laisse derrière elle un important héritage musical qui s'étend de 1933 jusqu'à 1959. Aux côtés d'Ella Fitzgerald, Nina Simone et Sarah Vaughan, elle est considérée comme l'une des figures dominantes du jazz vocal. Jamais une chanteuse à cette époque n'aura suscité autant d'impact dans la vie des gens. Jamais une chanteuse n'aura été autant persécutée par son propre gouvernement, seulement pour avoir décrié les injustices raciales qu'elle avait subies. Billie Holiday ne sera jamais oubliée. Would you do Don't Explain for Art Boy? You bet. Thank you, dear. And I know you cheat.
but right and wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.